Salut à tous, bienvenue, c'est Sergi et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. On va continuer notre aventure, je crois que c'est le troisième épisode sur Ligue des Masters. Alors, on va pas traîner et je vais vous montrer tous les matchs vite fait. Attendez, où est-ce qu'on regarde encore? Info sur mon équipe, calendrier. J'ai joué des matchs sans vous, désolé, parce que j'avais enregistré une vidéo et j'ai oublié d'activer mon micro. J'espère que cette fois-ci, mon micro marche. Quand j'avais vu, après avoir enregistré tellement de matchs, j'ai été triste de voir que mon micro ne marche pas. Alors, je vais vous montrer, on s'était laissé sur Celta Vigo, non, on s'était laissé sur Atlético de Madrid. Et je vais vous montrer les matchs depuis. 1-0 face à Atlético, bien sûr. Valence, on a perdu. C'était notre premier match perdu de la saison. Avec Valence, on a battu Celta Vigo 3-1. Ensuite, on a perdu encore en Champions League face à Liverpool. On a battu Osasuna. C'était un grand match. Je me rappelle, c'est le doublé de Rafinha ici. Ensuite, on a fait un but partout contre Mirandes. C'était en Copa del Rey, Coupe du Roi. Un but partout. Ensuite, on a gagné Mirandes, c'était un match difficile. En tout cas, ici, il y a du scripting partout. Il y a du script. Les arbitres sont contre toi et c'est vraiment difficile. Franchement, si vous n'êtes pas habitué à jouer PES, je vous conseille de pas jouer professionnel. Jouer haut niveau parce que franchement, moi, j'ai failli casser ma manette. Alors, Trabzonspor aussi, c'était un match cheaté. L'arbitre était contre nous et tout. On a fait 2-2. J'ai raté beaucoup d'occasions ici. Et ici aussi, c'était un match cheaté. Je joue que des matchs cheatés. Franchement, j'ai encore la chance de ne pas faire que des matchs perdus. Et là, on va jouer contre Séville et je m'attends à un match cheaté. Donc, du coup, on va arranger notre équipe. Il y a des blessés. Frankie de Jong est blessé. Ouais, il est blessé encore. Et pourtant, il faisait des matchs de fou. Depuis qu'il a été blessé, ça a été difficile pour nous. On va garder Sergio Busquets parce qu'il commence à très bien jouer. Je vais remettre Jules Koundé par exemple. Ouais, je trouve qu'il n'est pas en forme. Je vais le laisser. Gavi, il est chaud. Vous voyez, quand ça clignote comme ça veut dire que votre joueur va évoluer et il est en forme. Vous allez comprendre pourquoi. Et ligne est défensive. Ça, je vais reculer derrière complètement. Bloc offensif, je veux faire compact. Quoi d'autre? Écarter zone de pressing, centre. Je vais faire prudent parce que j'ai pas envie de faire. Et puis je vais faire instruction. Là, je vais faire non. Et puis les défenses, je vais faire défense reculée. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Saut dans la surface. Voilà, comme ça. Là, c'est là. Et par contre, celui-ci, je crois que je vais faire instruction en défense, ligne défensif. Bon, ça, je commencerai à le faire. Je sais que je suis en train de traîner. Ça fait 5 minutes que je parle déjà. Ok, match suivant. Coup d'envoi contre Séville. Allez, c'est parti, les gars. J'espère qu'il n'y aura pas du script. Alors, je vais commencer à monter aussi les vidéos de Ligue des Masters. Je trouve que c'est trop long pour que vous me dites si, franchement, vous voulez que je laisse tout de la vidéo de Ligue des Masters, que vous préférez voir tout ce qui se passe. Ou bien je vais vous montrer seulement les actions les plus importantes dans le match. Alors, je vais passer tout ça, ou bien je laisse la cinématique. Mais j'ai déjà perdu beaucoup de temps de but, alors je vais directement passer. On va directement continuer le match. Lewandowski ne marque plus. Ça fait déjà, je crois, 5 matchs qu'il ne marque plus. Donc, il est toujours à 9 buts en Liga. Alors, je suis toujours grippé. J'ai toujours une grippe. Donc, parfois, vous allez écouter des bruits de mouchoirs ou je sais pas. Et je trouve que Barça a acheté beaucoup de joueurs, en tout cas, mais ils sont pas tous de très haut niveau, malheureusement. Il y a vraiment Lewandowski qui est de haut niveau. Bon, Rafinha aussi, il est très très bon dans ce. Attention, attention, attention. Voilà le script. Et voilà. Bizarrement, il marque un but. Non, on sait, moi, franchement, ce but, comment il est entré, c'est vraiment bizarre. On va pas lâcher, on va pas lâcher. Et pourtant, je suis en attaque. Et là, Lewandowski demande la balle. Et là, je vais. Et vous voyez, je rate.
C'est juste, je sais pas comment expliquer ce jeu, mais ça m'a fait énerver, ça m'a énervé. Pendant mes matchs précédents, là, j'ai pas compris comment ils ont bloqué le tir de Lewandowski. Là, ça m'a énervé, ça m'a énervé. Regardez, là, il y a beaucoup, tellement de fautes, et là, ils donnent même pas carton arbitre. Là, on va laisser, je vois qu'il y a quelqu'un là-bas. Oh là là, non, c'est juste énervant. Impossible de marquer un but. Et là, ils vont siffler et ils vont donner carton. Vous allez voir. Et voilà. C'est juste énervant en fait. Mais il n'y a pas de souci. J'espère. Mais au moins dans ma carrière joueur, c'est pas tellement comme ça. Je crois que c'est parce que je contrôle pas toute l'équipe. Si je contrôlais toute l'équipe, ça serait la même chose. 1-0. Et là, c'est le but. Non, c'est juste pas possible de marquer. Mais je crois que je fais une erreur en fait. Je fais tir en première intention et c'est ça qui fait que je marque pas. Mais si je contrôle, il m'arrache directement en fait. Je trouve que l'IA ici, elle réagit très très rapidement et ça, c'est énervant. C'est juste énervant. Quand ils attaquent super bien, mais quand ils défendent, ils sont juste des monstres. Là, il y a faute arbitre, il siffle même pas. Regardez comment il se retrouve bizarrement directement. Juste, c'est pas possible. C'est du cheat, ce jeu, je vous jure. Moi, ça m'énerve. Je fais même faute. Si je m'en fiche, je donne un penalty. Je suis tellement énervé, les gars. C'est juste. Regardez comment il va prendre ça. C'est juste. C'est 2-0. Je suis tellement énervé. C'était du script. Du début jusqu'à la fin. C'était du script, les gars. Je crois même pas que je vais montrer ça sur le montage. Parce que ça m'a énervé, les gars. 2-0. Scripté. Du début à la fin. Ah, ouais, vous voyez, les journalistes commencent à m'attaquer et dire je suis incapable de jaser. On verra, ne pas perdre les nerfs, les gars. Bon, c'est juste perdre face à Séville, ça m'a énervé. Ça m'a trop énervé. C'était du cheat, du début à la fin. Perdre contre le Real Madrid. Ok, on va jouer contre Madrid. Là, il faudra tout donner, les gars. Mais je n'ai même pas. Je n'ai même pas regardé. J'ai même pas fait le plan de jeu. Alors, on va changer des choses. Non, on va les garder comme ça. Mais cette fois-ci, on va faire un pari. Soufati ne fait rien alors qu'au début de la saison. Ok, il y a des gens qui sont chauds. Koundé, il est chaud, on dirait. Je vais mettre Koundé. Et Jordi Alba, il est chaud, je vais le mettre. Quand ça clignote comme ça veut dire qu'ils sont chauds. Je vais mettre Memphis Depay, parce que Lewandowski aussi, ça donne plus, ça ne donne plus, les gars. Allez, on va. On va jouer. En défense un peu. Bon, le Real a l'air de presser sérieusement. Là, je vois Memphis Depay et là, et vous voyez, ça commence encore. Slipsing. C'est parti. Non, c'est juste incroyable. Ce jeu, c'est juste incroyable. Mais il ne court même pas. Est-ce que j'ai fait les permutations? Je me rappelle pas si j'ai fait ça. Attends, je regarde. Je check vite ça. Ouais, j'ai fait les permutations. Là, je tire.
Ouh, c'était bien essayé, c'était Sergi Roberto. On va, on y va. Allez, 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 allez. Ferran Torres, c'est juste impossible. J'ai mal tiré. Là, j'avoue, j'ai mal tiré en fait. Allez, on va corner. Voir si on peut la mettre. Et là, il y a faute dans la surface et il siffle pas. Et là, je comprends pas ma défense. Heureusement que Piqué est là pour récupérer ses ballons. On a eu deux occasions en fait. Et là, je crois qu'on va siffler la mi-temps. Attention. Récupère, on récupère. Aïe, 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 aïe. Là, ça risque d'entrer. Là, ça risque d'entrer. Ouh, on a eu chaud là. Et là, il y a des remplacements. Lewandowski vient nous aider avec Ansu Fati. Voilà, ça va Koundé de l'autre côté là-bas. Je savais, je l'ai vu. Des pailles, des pailles. Ah là, il était bon. C'est le but! Et voilà, but dernière minute. Et voilà, c'est parti. On peut gagner le Classico. C'était pas un match facile en tout cas. On a été dominé du pied à la tête. Mais on y est arrivé. On va revoir ce but ensemble, les gars. Regardez, regardez, Jules Koundé qui repasse Memphis Depay. Et là, une erreur de défense du Real. Et Lewandowski marque son 10e but du championnat. Je crois que c'est son 11e but de la saison aussi. Il y a un endroit là où on peut voir les stats. On ira aller voir les stats de chaque joueur. Après, voilà. Là, il faudra que je change maintenant les joueurs parce que je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. Hector Bellerin sort. Memphis Depay, je vais le sortir. Je mets Ousmane Dembélé. Je crois que je vais mettre Piqué pour amener un peu du sang frais en défense parce que je sens que la défense, ça ne va pas avec Eric Garcia qui se fait manger. Merci d'avoir sorti la balle. Et la sortie, trois remplacements. Oh là là, j'ai fait une erreur. Faut pas qu'il marque, faut pas qu'il marque. Non, c'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Mariano, le démon. Non, là, j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Franchement, je crois que le moral de mon équipe est au plus bas, en fait. Ça fait un but partout. Et j'ai refait encore la même erreur. Mais il y avait faute. Tu vois, même au début, là, il y avait faute. L'arbitre n'a pas sifflé. Et là, je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, c'est un but partout. Franchement, on avait la victoire dans les pieds, les gars. On avait la victoire. On avait la victoire. Et voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, je suis dégoûté. Deux matchs de derby, on n'a pas réussi à tenir. C'est la Champions League. On va jouer contre Trabzonspor. C'est une équipe très très forte. Je vous préviens. Ansu Fati, désolé. Je vais mettre Iñaki Peña. Parce que je trouve que Erstegen a l'air épuisé totalement. Et il me faudra un autre gardien, les gars. C'est parti, la Champions League, Trabzonspor contre FC Barcelone. Trabzonspor, j'ai fait un match nul à l'aller. J'espère que je vais gagner. J'avais gagné un seul match Champions League et j'ai fait un match nul. J'avais pas gagné à l'aller, j'avais fait un match nul. Et donc j'ai 4 points
J'ai 4 points. Je crois que je suis 3ème du groupe. J'espère qu'on n'ira pas en Europa League. J'espère qu'on n'ira pas en Europa League comme dans la vraie vie, les gars. Franchement, il y a beaucoup de scripts sur ce niveau. Je vous préviens, n'allez pas jouer le niveau superstar ni le niveau légende. Vous allez vous faire manger. Allez, Memphis Depay. Attention. Oh, premier. Premier. Il y avait faute là-bas, mais ils n'ont pas sifflé. Attention. Ouh, Iñaki Peña, les gars. Iñaki Peña. Aujourd'hui, il nous sort un gros match. Là, il y a faute et ils vont pas siffler. Et ils vont pas siffler. Regardez, ils vont pas siffler. Et le but, attention. Oh là là. C'est juste impossible, les gars. Le marquer dans ce jeu, c'est devenu très difficile d'un coup. Mais on va y arriver, les gars, on va y arriver. Et il y a aussi le moral, faut pas oublier, le moral peut être un facteur pour les défaites aussi dans le jeu. Donc parfois, si les joueurs n'ont pas gagné tellement de matchs, ils vont commencer à perdre. Ils vont pas jouer sérieusement. Donc 0-0 la mi-temps. C'est une équipe très forte. Elle a battu Liverpool. Elle a battu Liverpool. Est-ce que on arrivera à les battre? Si on les bat, ça sera franchement un hold up. Elle est premier du groupe. Ah, ça c'est très bien joué de la part de Ferran Torres. Oh, mais c'est quoi ça? Non, c'est du script, les gars. Je vous assure, c'est script. C'est scripté du début à la fin. Et regardez. Regardez, je vais tacler les gars. Oh, je vais tacler. Heureusement, Iñaki Peña, merci. Non, c'était scripté. Vous avez vu comment j'ai tiré et c'est pas entré? Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Rien ne veut entrer, les gars. J'ai pas compris qui a créé ce jeu. Ce jeu est démoniaque. Allez, c'est parti. On arrête de se lamenter. On essaye de marquer un but. Regardez comment il se stoppe. Regardez comment il se stoppe. Le temps de réaction que mes joueurs ont, c'est juste impossible. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouh, heureusement, heureusement, c'est le poteau. Heureusement, heureusement, les gars. C'était juste. On a eu chaud là. J'avais demandé à tout le monde d'aller à l'attaque. J'avais complètement oublié que tout le monde était. J'ai pas compris. Et là, attention, attends. Et voilà, c'est le but. Donc ce jeu est scripté, les gars, il est scripté. Regardez. Mais dites-moi comment la balle retombe sur le joueur. C'est pas réaliste du tout, du tout. On va changer tout ça. On va essayer de gagner tout ça. Bon, il reste encore 10 minutes et j'arrive à marquer les buts aux dernières minutes en tout cas. Lewandowski. Franchement, c'est la pire série qu'on va faire. La pire vidéo de la série en tout cas. C'est pas selon vous, mais perdre autant de matchs, ça m'énerve. Ça commence à m'énerver. Il faut que je trouve une tactique. Il faut que je change de tactique. Et puis, ils vont pas siffler. 0-0. Franchement, cette équipe, elle est trop forte, les gars. Elle est trop forte. Je ne comprends rien. Allez, on va jouer un dernier match. Je me disais que j'allais faire 3 matchs, mais on va pas se laisser sur... voilà, on est derrière. Franchement, il faudra qu'on gagne nos 2 matchs suivants. Sinon, on ira en Europa League. Ouais, on va aller en Europa League, les gars. Parce que
Et franchement, en tout cas, le jeu est un peu réaliste, très réaliste. J'aime ça, ça me donne du challenge. Je croyais que j'allais m'ennuyer en marque de début facilement, mais vous voyez que tout s'est mis en ordre. Offre d'emploi, c'est Real Sociedad. Ok, j'espère qu'on ne va pas chasser parce que Real Sociedad commence à me demander de venir chez eux. De Pedri et Frankie de Jong, je veux le monter parce que. Allez, on va aller au match suivant face à l'Espagnol Barcelone. Gros derby, les gars, gros derby. Il faut qu'on gagne ce match parce que si on ne gagne pas ce match, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que vous voyez, Real Sociedad commence à m'offrir des contrats parce qu'ils se disent le gars ne va pas tenir. Il ne va pas tenir, mais on va faire tout notre possible pour gagner ce match. Cette fois-ci, je ne me loupe pas. Je passe tout ça, j'ai pas envie de regarder ça, je suis tellement énervé. Non, je voulais même pas passer comme ça. Là, il y a faute arbitre. Voilà, donner carton. Il va pas donner carton, regardez. Allez, on va mettre dans la boîte. Et le but, voilà, on commence très bien comme ça. Voilà, ça c'est qui? Ferran Torres, premier but, je crois, de la saison. Très très bien joué. Très très bien joué de la part de Ferran Torres. Regardez, j'ai eu l'impression que le ballon n'allait pas venir. J'ai eu peur. Je me suis dit, je ne veux pas quand même louper ça quand même. Ça, c'est super bien joué de la part Ferran Torres. Koundé. Voilà, ça c'est. Bon, je voulais même. Oh, ça c'est la passe. C'est le but. Oh, c'est juste impossible aujourd'hui de se marquer avec Lewandowski. Je crois qu'il faudra que je sache comment être. Attention. Lewandowski qui demande la balle. C'est juste impossible. Barcelone est en train de nous attaquer. L'Espagnol Barcelone, vous avez compris. Est-ce qu'ils vont pouvoir regarder? On ne souffle même plus. Et là, on va essayer de donner à Lewandowski devant. Ils sont partout aujourd'hui. Mais on va un peu baisser un peu la défense. Je mets sur le deuxième joueur parce que j'ai vu que quand on poussait un peu trop, ou bien je mets comme ça, je sais pas. Non, on met deuxième joueur, c'est mieux. Ou bien on pousse un peu deuxième joueur comme ça. Après, on va tirer et on va baisser. Waouh, c'était bien tiré. Peut-être j'aurais dû un peu excentrer, mais je crois que ça aurait fait poteau. Et là, c'est pour Lewandowski qui va y aller. Et là, c'est le but. Memphis Depay, je crois que c'est son deuxième but de la saison. 2-0. Je crois que là, on va se reposer en paix. Très très beau but de Memphis Depay. Regardez, regardez comment il a fait Lewandowski. Très très jolie passe en tout cas. Et la pluie qui s'invite. Là, je crois qu'on peut aller tous à l'attaque parce que je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Je crois que cette équipe va se lâcher. Et oui, ils veulent pas que le ballon circule bien. C'est scripté, les gars. C'est scripté. Regardez. Et il siffle coup franc. Et je suis sûr s'il avait marqué, il n'aurait pas sifflé.
Et le match est terminé 2-0, les gars. Franchement, on a arraché cette victoire. On l'a arraché. On est allé très loin pour l'arracher. On s'est fait dominer. Donc, on est quatrième toujours derrière le Real, l'Atlético et Séville qui nous avaient battus. Allez, on peut voir ici les joueurs, comment ils ont joué. En Liga Santander, résultats généraux. But, Lewandowski en a mis 11. Memphis Depay 3, Ferran Torres 2. 1 pour Hector Bellerin, je ne savais même pas qu'il avait marqué. Ça finit à 7. Ouais, Ousmane Dembélé en a mis 1. De Jong en a mis 1. Ansu Fati 1. Voilà, sur 12 matchs. Et là, pour les passes décisives, on va voir qui domine. Hein. Je crois que c'est Jordi Alba, 3 passes décisives. Avec Rafinha, 3 passes décisives. Ansu Fati aussi, 3 passes décisives. Donc, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et à bientôt, les gars. À bientôt.